Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, les acquisitions février et mars 2021. Il y en a eu pas mal, il y en a eu énormément, beaucoup, en RDFM, en AOR et évidemment en West Coast, en rock californien. On commence évidemment par la très grosse news de ces dernières semaines. Mon ami Franck de la chaîne Franck Mélovinyl vous l'a déjà présenté. Vous savez évidemment de qui je veux parler. Steve Lukather et Joseph Williams. Voilà le dernier album de notre cher guitar héros Luc, qu'on ne présente plus évidemment, le grand leader, guitariste, chanteur de Toto, avec son tout dernier album I Found the Sun Again. Voilà. Sorti en double album chez Mascot Records et évidemment sorti dans ce très très beau, hop, si ça sort, très beau coloris bleu, que voilà, superbe album, super son, d'excellentes compos, comme par exemple évidemment la ballade I Found the Sun Again. Il y a le morceau titre, plutôt le morceau d'ouverture, pardon, Along for the Ride, qui est un excellent morceau rock. Cet album contient trois reprises, une de Traffic, une de Robin Trower, entre autres, notamment, alors le titre est un petit peu long, la reprise de Traffic c'est The Lost Park of High Heeled Boys, la reprise de Robin Trower, Bridge of Sights, et il y a la reprise Welcome to the Club de Joe Walsh. Voilà, Steve Lukather, I Found the Sun Again, son tout dernier album, qui est super, que j'ai commandé évidemment au coffret, avec entre autres le beau t-shirt que voilà. Voilà, tout le monde connaît évidemment mon amour pour Toto. Steve Lukather, I Found the Sun Again, voilà, tout dernier album, sorti fin février, et évidemment, bien sûr, après Steve Lukather, Joseph Williams. Vous pouvez constater d'ailleurs ce qui est très très drôle, hop, c'est que voilà, c'est à peu de choses près la même pochette. Voilà, toujours chez Mascot Records aussi, Joseph Williams. Et lui, par contre, son nouvel album, c'est pas en coloris bleu, mais en coloris orange. Je vous le montre. Ah, c'est de la manutention, hein. C'est du boulot. Le voilà, le tout dernier album de Joseph Williams qui s'appelle Denies and Tenants, qui est très West Coast, très très pop. Superbe album aussi. La petite chose que je reprochais à cet album, c'est la reprise de Peter Gabriel. Il fait une reprise notamment de Don't Give Up, le fameux morceau Peter Gabriel et Kate Bush, voilà, qui est dispensable. Mais sans ça, vous pouvez vous procurer cet album, qui vraiment est très très bon de toute façon, avec Steve Lukather, Joseph Williams en solo, les musiciens de Toto, on n'est évidemment jamais déçus. La preuve, moi ça fait 31 ans que je les suis, j'ai pour ainsi dire quasiment jamais été déçu de ces mecs-là. Donc, bravo à ces mecs qui continuent à pondre de la qualité après toutes ces décennies de carrière, bravo, on les embrasse. On enchaîne avec deux grands albums de Hard FM que je me suis tout récemment procuré, que je possédais bien sûr en CD et que je n'avais pas en vinyle. C'est chose faite. On commence avec le groupe TNT, l'album Intuition, groupe de Hard FM suédois, groupe originaire de Suède, mené par deux grands mecs, à savoir le chanteur Tony Arnell et le guitariste Ronnie Le Tecro. Les voilà, nos quatre chevelus. Pour celles et ceux qui aiment le hard FM scandinave, comme Europe, comme Bad Habit, comme Dalton, comme des groupes comme Trait, sublime album sorti en 1989 sur le label Vertigo. Et que dire de cet album? Là, vraiment, on va dire que ce disque ne contient que des hits: Intuition, Tonight I'm Falling in Love, Forever Shine On. Ça, c'est du très grand art. L'album de TNT, Intuition. Si vous aimez vraiment la zik qui décoiffe avec des refrains pop, des choses très très péchues, ben je vous conseille ça.
l'album de TNT, Intuition. Et là, après un superbe album de Hard FM, voilà, ça c'est ce que j'appelle un monument, Danger Danger, le tout premier album sorti en 1989. Alors Danger Danger, groupe de Hard FM américain, mené par un grand chanteur très respecté dans le domaine du rock mélodique, qui s'appelle Ted Paulet, et à la guitare, il y a un guitariste brillantissime qui s'appelle Andy Timmons, qui rejoindra quelques années plus tard le groupe de Simon Phillips, batteur entre autres de Toto, qui a eu la lourde tâche de succéder à Jeff Porcaro en 1992. Et ben voilà, Danger Danger avec Ted Paulet, Andy Timmons. Alors, vous voulez un album à tube, un bel album des années 80, et ben je vous conseille celui-là. Ça, c'est la réédition sortie chez Music on Vinyl. Alors, avec Music on Vinyl, évidemment, bien sûr, au niveau réédit, on n'est jamais déçu. Par contre, je préfère vous le dire du suite, va falloir lâcher un petit peu de thunes, parce que cet album, il n'est pas facile à trouver, mais une fois qu'on l'a, vraiment, on ne le lâche plus, quoi. Sorti, voilà. Regarde-moi ce beau macaron, Sony Music, CBS, Columbia, et Music on Vinyl, la réédité. Je vous le remontre, Danger Danger, 1989, et voilà nos 5 Playboys du Hard FM américain. Ça, je vous le conseille. Après le Hard FM, on va dans le Rock FM, Laware. On va rester un petit peu toujours sur Toto, avec un groupe qui s'appelle Le Roux, So Fired Up. Pourquoi je dis proche de Toto? Parce que dans ce groupe, il y avait Fergie Frederiksen, qui a eu la lourde tâche aussi de succéder à Bobby Keeble. Lui, il restera que pour un album. Fergie Frederiksen, attendez, regardez, c'est ce petit mec-là. Voilà, il est malheureusement décédé depuis quelques temps, hélas, d'un cancer. Il est mort très très jeune. Le Roux, So Fired Up. Voilà, c'est pour celles et ceux qui adorent Journey, qui adorent Toto, évidemment, bah, croyez-moi que vous n'allez pas être déçus avec cet album, So Fired Up. Rien que pour les titres Yours Tonight ou Carrie's Gone, qui sont des singles en puissance. Ça, je vous le conseille. C'est vraiment, vraiment génial. C'est sorti en 1983 et c'est sorti sur le label RCA. Ça, c'est le pressage européen, qui est vraiment d'une excellente qualité. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment du très, très bon. Voilà, l'album Le Roux, de Le Roux, So Fired Up, avec Fergie Frederiksen au chant. Voilà, ça, c'est sorti en 83. Évidemment, un an plus tard, il partira de Le Roux et va rejoindre Toto pour l'album Isolation. Ce ne sera malheureusement que pour un seul album. On reste dans le terrain Rock FM, avec un très grand monsieur du Rock FM américain, unanimement respecté aux USA, monsieur Eddie Money, l'album Can't Hold Back, sorti en 1986, où il y a son fameux gros single Take Me Home Tonight. Ça aussi, ça c'est ce qui s'appelle un chef-d'œuvre des années 80. Ça, c'est du pur bijou. Ça, c'est, voilà, un excellent album que j'ai usé à la corde. Franchement, le CD, je l'ai poncé. Je suis très très content de l'avoir en vinyle. Alors, on commence là les commandes que j'ai pris chez My Own Records, le fameux magasin allemand spécialisé dans l'import japonais, où il y a énormément de choses, énormément d'albums AOR et West Coast, et l'album d'Eddie Money, voilà le pressage américain chez CBS. Regardez-moi comme c'est propre, voilà. Franchement, My Own Records, allez-y. C'est les superbes prix, des prix très attractifs. Ils ont un énorme catalogue, un vaste catalogue. Puis on n'est jamais déçu, quoi. Vraiment, c'est... Donc, big up pour My Own Records, Allemagne. Et revoilà, Eddie Money. Et superbe, vraiment très... Avec d'excellents musiciens derrière, il est super bien entouré. Puisqu'on y retrouve dans les chœurs, entre autres, Richard Page et Steve George, les Pages, qui à l'époque était dans Mister Mister. On y retrouve entre autres le batteur Mike Bird aussi, le guitariste Richie Zito. Allez-y, procurez-vous ce disque. C'est excellentissime. Eddie Money, l'album Can't Hold Back.
après la WER, le Hard FM, on atterrit dans le terrain californien West Coast avec un grand bonhomme qu'on ne présente évidemment plus, tout le monde le connaît, monsieur Michael McDonald. Alors ça, je dois dire que cette compile a un intérêt vraiment très particulier pour moi parce que je l'ai acheté en CD en 1996, à l'époque j'étais à l'armée et j'aimais pas trop l'endroit où j'étais et je me souviens que cette compile, je l'avais usé, mais usé à la moelle. Franchement, je me souviens avec mon Discman, mon baladeur CD, je l'avais usé jusqu'à la corde. Mais quelle compile quoi, c'est inusable, c'est d'une beauté. Évidemment, on y retrouve tous les titres, les grands titres comme Yabo Bizarre avec James Ingram. On y retrouve I Keep Forgetting, Sweet Freedom aussi qui fera la BO du film Running Scared. On y retrouve On My Own avec Patti LaBelle. On y retrouve aussi Le What a Fool Believes, enregistré avec ses anciens acolytes de Doobie Brothers. Donc, si je peux vous... Voilà. Ça, c'est pour commencer Michael McDonald, c'est du tonnerre. Allez-y, Sweet Freedom, on peut la trouver partout, pour peanuts, hein, vraiment pour que dalle. C'est bien sûr, évidemment, sorti sur le label Warner, que voilà, ça c'est le pressage européen. Je crois de mémoire d'ailleurs, ce qui est étrange pour un Américain, c'est qu'elle n'est jamais sortie en pressage américain, on le trouve que en pressage européen. Mais quel compil quoi, Michael McDonald, Sweet Freedom, ça c'est du bijou, c'est du tonnerre évidemment, bien sûr. Avec McDo, on n'est jamais déçu. Toujours un très grand monsieur, alors lui, c'est un cas très particulier. C'est un grand ponte de la musique brésilienne, on va dire c'est un petit peu le Quincy Jones brésilien, monsieur Sergio Mendes et l'album Brasil 86, pareil. Et je voudrais faire un petit coucou, s'il regarde la vidéo, un petit coucou à Fabrice, mon ami Fab, de Rock Meeting, que j'ai encore eu cette semaine. Je lui avais fait découvrir cet album, il avait complètement flashé dessus. Voilà, l'album Brasil 86 que je possède enfin en vinyle. Alors dedans, on y retrouve tous les musiciens américains, Jeff Porcaro bien sûr, on y retrouve Michael McDonald dans les chœurs, Phil Perry aussi dans les chœurs. Et dans les parties chantées, on y retrouve entre autres un chanteur à la voix d'or, à la voix d'ange, qui s'appelle Joe Pizzulo. Voilà, Sergio Mendes, Brasil 86. Ça, c'est du très très bon. Je vous conseille aussi d'écouter les deux albums précédents de Monsieur Sergio Mendes, à savoir l'éponyme de 83 et l'album Confetti de 1984. Et c'est sorti sur le même label, IM Records. Voilà, franchement, si vous l'écoutez de la West Coast de qualité, eh ben, procurez-vous cet album-là qu'on trouve aussi pour que dalle, quoi, pour peanuts. C'est du très 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 bon. Voilà, je vous le remontre. Sergio Mendes, Brasil 86, est sorti évidemment en 1986. Alors là, on va faire un tour auprès des artistes West Coast qui, malheureusement, après un album, se sont... n'ont plus rien fait. C'est le cas de Burn and Barnes et l'album An Eye for an Eye, sorti à l'origine en 1981. La réédition est très très chère à se procurer, mais par contre le label Favorite, que voilà, l'a réédité en CD en vinyle. Ça évidemment c'est du... regardez, ils disent West Coast Air Hour et Master et Modern Soul, pardon. Et en gros, ils mettent Masterpiece, et le mot n'est pas galvaudé. C'est vraiment un masterpiece du son West Coast, Burn and Barnes, An Eye for an Eye. Alors, c'est composé entre autres par un chanteur qui s'appelle Robert Burn, qui avait sorti un superbe album en 1979 qui s'appelait Blame It on the Night. Et on y retrouve son acolyte, Brandon Barnes. Et regardez ce beau macaron. Favorite Records, voilà, 11 titres, 11 tubes, superbe album. Pour celles et ceux qui aiment la West Coast du début des années 80, le beau son californien, eh ben, je vous conseille ça vraiment, c'est très très, c'est du très haut niveau, c'est des compos en or, c'est un pur bijou. Voilà, Burn and Barnes, An Eye for an Eye.
Alors là, on atterrit en terrain West Coast, toujours bien sûr, mais en terrain beaucoup plus soul funk. Voilà. Monsieur George Duke et l'album Dream On, le voilà, le grand George Duke. Album qui cartonnera notamment avec son fameux single Shine On. Mais il y a d'excellents titres comme You, comme Dream On, évidemment. I Will Always Be Your Friend, qui est excellentissime. Someday, qui est très très bon. Voilà, pour celles et ceux qui aiment à la fois le côté funk et le côté soul, avec de très grands musiciens, on y retrouve entre autres Michael Sambello et Nathan East à la basse. George Duke, l'album Dream On, sorti en 1982. Ça, c'est le pressage US. Et c'est évidemment sorti sur le label Epic Records, distribué par CBS. Voilà, que voilà, Epic Records, George Duke, Dream On. Excellentissime album. Voilà, ça c'est vraiment un disque estival. Vous écoutez ça dans la bagnole, avec la fenêtre ouverte, le bras penché sur le capot, enfin, ou plutôt sur la portière. Et c'est vraiment du très très bon. Et quand il y en a un, il y en a évidemment deux. Un autre album qui aura beaucoup de succès, The Guardian of the Light, sorti l'année suivante, en 1983. Alors là, ça, c'est le pressage japonais. Je vous le montre. Il est juste magnifique. Et toujours chez Mayon Records. Regardez-moi comment c'est beau, c'est propre. Ah, les mecs de Mayon Records, ils sont très pointilleux. Puis les japonais, évidemment, n'en parlons pas. Regardez ce beau gatefold. Évidemment, c'est toujours du travail nickel. Toujours chez Epic Records. Le Guardian of the Light, évidemment, porté par le fameux single Reach Out, qui aura beaucoup, beaucoup de succès. George Duke, grand claviériste de jazz funk. Et regardez-moi, il y a bien sûr l'insert et il y a un beau livret. Et tout ça, on peut l'avoir pour Peanuts. George Duke, Guardian of the Light. Évidemment, du très très grand art. On reste en terrain soul funk calif. Pareil avec un chanteur qui malheureusement n'a fait qu'un seul album et qui s'en est allé ensuite. Phimmy Sanderson. Alors ça, mon ami Fab, mon ami Franck, procurez-vous ce disque. Vous qui êtes des amateurs de soul funk des années 70-80. Phimmy Sanderson, qui a eu un petit succès d'estime avec le fameux single Skip to My Lou, et s'est produit rien moins que par Al McKay, le guitariste d'Earth, Wind & Fire. Alors évidemment, pour la circonstance, Phimmy Sanderson s'est entouré de tous les meilleurs. Jeff Porcaro, Steve Lukather, John Robinson, Paulino Da Costa, évidemment, percussion. Ils sont tous là. Toutes les pointures de Los Angeles sont sur cet album. Et évidemment, sorti sur ce grand, très grand label, voilà, qui est Motown Records, qu'on ne présente plus, le label de Diana Ross, de Lionel Richie, des Temptations, de Smokey Robinson, enfin voilà, de Marvin Gaye, Phimmy Sanderson, Phimmy's, voilà, très grand bijou. Pour celles et ceux qui adorent les morceaux californiens de très très haute volée, je vous le conseille. Toujours pareil chez les One Shot, avec un duo de d'auteurs-compositeurs-interprètes, Bugatti and Musker, l'album de The Dukes. Alors, Dominique Bugatti et Frank Musker sont deux songwriters qui ont écrit, entre autres, pour pas mal d'artistes, entre autres pour Patty Austin. Les voilà dans leur tout premier album, premier et unique album sorti en 1982. Par la suite, ils arrêteront leur carrière à deux et composeront pour d'autres artistes. Et c'est leur unique album sorti en 82 sur le label Atlantic Records. Que voilà, attendez, je vous le montre. Bugatti and Musker, The Dukes, sorti sur le label Atlantic, évidemment qu'on ne présente plus. Il y aura le fameux single Mystery Girl qui marchera un tout petit peu. Mais l'album sera, hélas, un véritable échec, en dépit pourtant de sa qualité. Alors, cet album, c'est une sorte de melting pot, des morceaux très qualifs. Il y a des morceaux qui sonnent
très très funk. Pour celles et ceux qui aiment des groupes comme Change, voilà, je vous conseille cet album aussi. The Dukes, Bugatti and Musker, sorti en 1982. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Eux aussi, ils n'ont sorti qu'un seul album et ont préféré s'en aller ensuite. L'unique album de China. Alors, ça, c'est évidemment, comme vous pouvez le voir, le pressage japonais. Le pressage américain aura une toute autre pochette. De toute façon, ces albums-là, ça sort que soit en japonais, soit en pressage américain. Évidemment, ça en Europe, personne ne connaît, surtout pas en France, évidemment. Et ces trois Canadiens qui sont entourés de tous les grands icos, tous les grands musiciens américains, bah, comme Paulinho da Costa, évidemment, aux percussions, Abraham Laboriel à la basse. Voilà, pour celles et ceux aussi qui adorent la musique de qualité, écoutez l'unique album de China et c'est sorti sur le label Epic Records. Très grand album. Voilà, je vous le montre. Voilà, China et l'obéit. Que voilà, regardez cette belle pochette. Avec le yin et le yang, si on voit un petit peu. Regardez. Superbe album, très bon disque. On continue dans les grands monsieur de la musique californienne avec un très grand bonhomme, Adrian Gurwitz, et l'album Sweet Vendetta, sorti en 1979. Ça, c'est le pressage européen. Sorti sur une filiale de CBS qui s'appelle Jet Records, où on y retrouvait entre autres les disques d'Electric Light Orchestra. Adrian Gurwitz, voilà, le label Jet. Alors Adrian Gurwitz qui aura un certain succès, un très gros succès en 1982 avec le titre classique qu'on retrouve entre autres dans la BO La femme de mon pote avec Coluche et Thierry Lhermitte. Et qui sortira en 79 cet album Sweet Vendetta. Là aussi, on y retrouve, bah, ils sont tous là, Jeff Porcaro, David Ungate à la basse, à la guitare Fred Tackett, David Page au clavier, bah, il y a quasiment tout auto. Au cuivre, on y retrouve Jerry Hay. Ça aussi, de la bonne musique pour groover, pour danser, notamment avec le titre Untouchable and Free. Excellentissime disque. Adrian Gurwitz, Sweet Vendetta, 1979. On reste toujours en 79, avec un grand chef-d'œuvre aussi de la musique californienne. Steve Kippner, Knock the Walls Down, produit par Monsieur Jay Graydon. Jay Graydon, évidemment, on ne le présente plus, producteur entre autres pour Al Jarreau, pour Manhattan Transfer, grand songwriter, grand guitariste de studio aussi, et qui fondera quelques temps plus tard, enfin un an plus tard après cet album, le projet Airplay, qu'il fera avec son acolyte de toujours, David Foster. Et là, il produit l'album de Steve Kippner, Knock the Walls Down. Pareil, Kippner est toujours bien entouré. Alors Steve Kippner, grand songwriter aussi, qui écrira pour beaucoup d'artistes au West Coast, et qui fondera quelques temps plus tard le projet Think Out Loud avec l'ex-chanteur de Player Peter Beckett. Ça, c'est son tout premier unique album sous son nom, et c'est sorti sur le label Elektra Records. Voilà, regardez-moi ce beau macaron avec le papillon. Ça, j'adore ça. Ça, c'est beau comme tout. Un disque que vous pouvez trouver aussi un petit peu partout. Voilà. Steve Kippner, Knock the Walls Down. Excellentissime disque de musique californienne. Et tiens, vous savez quoi? Je vais faire un peu comme Fab. Je me le permets aussi. On va boire un coup. Fais soif. Ça fait du bien. Excusez-moi. Et pour terminer. On finit avec Marilyn Scott et l'album, son second album studio Without Warning, sorti en 1983, produit par Monsieur Michael Sambello, qui à l'époque cartonnait avec le Maniac, qu'on entend entre autres dans Flashdance. Et il produira entre autres Marilyn Scott, qui depuis est devenue une chanteuse un petit peu jazzy. Ça, c'est un album très qualif. Ça, c'est du très très bon aussi. Il y a des morceaux qui sont très dansants, des belles ballades très très cool. C'est de la West Coast pure et dure. Vraiment, là, quand on écoute ça, on se croirait carrément en Californie, au pays des cocotiers.
Et c'est sorti sur le label Mercury Records. Que voici, que voilà. Regardez-moi, toujours aussi nickel. Et tout ça, j'ai pris ça chez Mayan Records. Voilà, Marilyn Scott, l'album Without Warning. Sorti en 1983. Voilà, c'est tout pour ces acquisitions. Je voulais faire aussi un petit aparté sur quelques albums qui ne sont malheureusement pas sortis en vinyle, pardon, mais en CD et en numérique. Vous pouvez les écouter. On commence avec le dernier album de Bill Champlin, son 8e album qui s'appelle Living for Love, qui est très très bon. On continue avec le tout premier album, j'en avais parlé sur le vinyle tag, de Page 99, qui est le projet d'un bonhomme qui s'appelle John Nixon. Pour celles et ceux qui aiment l'adorent la West Coast des années 80, je vous conseille ce disque. C'est vraiment du très très bon. C'est pas parce qu'il est pas sorti en vinyle qu'il faut pas jeter une oreille sur ces albums-là. Et puis pour terminer, sorti beaucoup plus récemment, le second album de Christian Gratz qui s'appelle 1981. Pour celles et ceux qui adorent Steely Dan et Boscags, et ben ça c'est un achat potentiel. Je voulais aussi vous conseiller sur le podcast de mon ami Sébastien Souris-Tibert qui s'appelle Quelques minutes de old school, que je vous conseille vivement d'aller écouter. Mon ami Seb fait du travail exceptionnel, allez-y. Pour celles et ceux qui adorent le hip-hop, mais aussi la musique californienne, le yacht rock et le jazz, écoutez Quelques minutes de old school, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et puis pour terminer, je voulais vous conseiller aussi d'aller voir la chaîne de mon ami, mon pote, mon frère Franck Coneza, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Pour celles et ceux qui adorent le métal, les guitareros, les grands techniciens, et si vous voulez voir tout ça raconté par un grand, très grand passionné, eh ben allez voir la chaîne de mon ami Franck Coneza. Sa chaîne s'appelle Guitar Passion. Je crois que vous tapez Franck Coneza dans la barre YouTube, vous allez atterrir sur sa chaîne. Allez-y, vous ne serez pas déçus. De toute façon, je mettrai tout ça dans les descriptions. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour terminer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci aussi pour tous vos beaux témoignages, vos nombreux commentaires qui me vont droit au cœur. Et je sais qu'il y en a eu pas mal. Merci donc à vous. N'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous. Merci, merci infiniment. Surtout, n'oubliez pas d'être curieux et n'oubliez pas de foutre les potards jusqu'à 11. Ciao !